aujourd'hui dans ma cuisine. Je sors à l'instant de chez Action. Un nouvel Action vient de s'installer auprès de chez moi à 10 minutes, un quart d'heure. Donc autant vous dire, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Donc pouvoir y aller un petit peu plus souvent. Là, il vient de s'ouvrir, c'est vrai, il n'y a qu'une semaine. Donc il y avait un petit peu de monde. J'y suis allée à la bonne heure. J'ai trouvé des pépites. Donc c'est pour ça que je vous poste cette vidéo à l'instant. Je viens d'arriver, le temps de poser mes affaires, de noter tous les articles, de mettre tout mon matériel pour filmer et me voilà arrivée. Donc je vais vous partager, j'ai trouvé des bons plans. Donc vous savez que ma chaîne c'est une chaîne de passion, de partage. Si cette vidéo vous plaît et si mon petit visage vous plaît et vous voulez que je partage des bons plans avec vous, surtout n'hésitez pas à vous abonner au petit logo, il y a marqué s'abonner en rouge, ça fera bien plaisir. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc let's go, c'est parti, on y va pour un haul Action. Il y avait super longtemps. Donc, alors, je suis allée chez Action, le nouvel Action, j'en ai eu pour 32 euros. Donc, voilà. Donc, je pensais pas arriver à ce prix-là. Mais bon, vous savez que chez Action, on y va pour un truc, on sort avec 15 choses. Mais bon, je suis contente quand même de ce que j'ai pu trouver. Donc, c'est parti, let's go. Donc, pour commencer, je me suis pris mon shampoing Timothée 2 en 1. C'est un soin intense. C'est un soin sans parabènes, sans sulfate, sans rien. Vous savez que j'adore ces shampoings-là. Je vous en parle souvent sur Instagram. Il est à la noix de coco. Il est comme ceci. Voilà, je l'ai payé 1,99€ en sachant que à mon Intermarché, je le paye 2,79€. Donc voilà, j'en ai pris un. Ensuite, chez Action, j'ai pris des bougies comme ça, des candles, chandeliers comme ceci. Parce que pour toutes celles qui me suivent, vous savez que sur ma décoration de ma table de salle, j'ai mis des chandeliers avec des bougies longues. Donc, je ne savais pas qu'Action avait sorti ce genre de bougies. J'en ai pris 4. Il y en a une qui doit se balader dans tout le petit shopping qui est là. Voilà. Et donc, celles-ci, elles sont à 35 centimes pièce. Il y a plusieurs coloris. Donc ça, hop, j'ai fait le plein. Je me suis repris comme d'habitude une autre guirlande à LED qui fonctionne à pile. Donc il y a besoin de deux piles, je pense. Ouais, c'est des deux piles AA. J'en ai pris une de 40 LED. Elle fait 2 mètres. Vous avez plusieurs longueurs. Elles sont vraiment bien, leur LED. Je sais que l'an dernier, franchement, je m'en sers assez souvent et elles fonctionnent toujours. C'est à mettre à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ensuite, je me suis pris un petit sachet comme ceci de pommes de pin. Voilà, j'en avais avec Agathe, était en ramassé, mais on n'avait pas eu des grosses grosses. Donc ce paquet-là, je l'ai payé 1,19€. Voilà, pareil pour mettre avec mes branches de sapin. Surtout, suivez-nous bien sur Instagram. On va faire notre déco de Noël, là, début décembre. Ensuite, je me suis pris du thé de Noël. Dedans, vous avez 10 sachets comme ceci et j'ai trouvé même sympa à offrir. Regardez, ça fait comme un cône. Voilà, donc c'est du thé spécial Noël. Donc ce thé-là, je l'ai payé 1,19€. Je vous dirai sur Instagram s'il est bien ou pas, s'il est bon. Voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis pris une bougie comme ceci. J'avais déjà pris ces bougies-là, mais je n'avais jamais trouvé au pain. Elles sont divinement bonnes. J'ai payé 1,69€. Voilà, les odeurs de pain, de pommes et tout, de pain d'épices, de fleurs d'oranger, de miel pour le mois de décembre. J'adore ça. Ensuite, on va passer au miam miam. Donc, j'ai repris Agathe, elle adore ça. C'est les Mexican Mix. Donc, ça a panaché de petits sneakers comme ceci qui nous a coûté 99 centimes. Je lui ai pris également ces cahiers Oxford comme ceci. Je pense que vos jeunes doivent aimer aussi ça. Parce que je sais qu'il y a un petit logo, elles peuvent faire avec leur portable. Je lui avais pris en gros modèle la dernière fois et là, je lui ai pris en petit modèle. Voilà, j'ai payé 1,99€ en sachant qu'à la maison de la presse, c'est double. Voilà. Ensuite, je lui ai pris aussi, elle en cherchait, elle me dit « Maman, tu regarderas si tu trouves ». Je lui ai pris une petite palette comme ceci de chez Max More. Donc, c'est une palette avec des contours bleus, vous savez, pour retirer un peu les cernes, des petits boutons et tout ça. Donc, voilà, vous avez le petit dessin, vous voyez ce que c'est. Hein. Donc, j'ai payé 99 centimes, donc elle essayera. Hein. Ensuite, hyper, moi j'étais vide et vite et précipitation. J'ai mélangé vite et précipitation. Je me suis plantée dans les piles. J'ai pris des petites piles à télécommande. Super, donc j'ai payé 1,79€. C'est pas grave, ça va nous servir quand même. Mais je vais y retourner pour prendre des grandes piles AA parce qu'elles sont quand même pas chères chez eux. Et voilà, mais bon, tant pis pour moi, je n'ai pas me dépêcher. Ensuite, je me suis pris cette guirlande comme ceci, noire. Je trouvais trop mignonne. Donc, celle-ci, c'est une guirlande
que j'ai payé 2,99€. Il y a 10 LED, elle fait 1m35. Donc moi l'idée c'est que je vais la mettre sur mon radiateur. Voilà, je vais mettre dans ma cuisine et je vais faire, vous savez, un genre de petite guirlande comme ceci. Ça va donner un petit point de lumière et je trouve ça vraiment voilà, noir comme ça. Ça va bien aller avec, comme ma cuisine est noire et bois. Trouver ça sympa. Pareil, il va falloir des piles. Donc, je vais falloir que j'y retourne. Je vais attendre la semaine prochaine. Hein. Ensuite, au niveau Miam Miam. Donc, j'ai pris Agathe Adore, les petits sneakers de chez Milka comme ceci. Je les ai payés 1,12€. Ils ont ressorti comme l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait adoré les petits cœurs de chez Milka. Nous, à l'intérieur, c'est noix de... C'est pas noix de coco, c'est nougat et crème à 1,69€. On commençait déjà à manger du chocolat, c'est bon pour le moral. Ensuite, je me suis trouvé cette étagère-ci. Donc en fait, c'est une étagère porte-carte apparemment. Vous pouvez y ranger des cartes postales, enfin plein de petites choses. Donc moi, je l'ai prise pour la mettre là-haut dans mon dressing. Vous savez, quand je vous tente des tutos et tout ça, c'est pour me ranger mes petites palettes. Ça, j'adore ce genre de petit rangement, de petite étagère comme ça, parce que je vais pouvoir y mettre, vous voyez, toutes mes petites palettes à l'intérieur. Donc cette étagère-là, je l'ai payée 2,99€. Je la trouve vraiment sympa et puis ça va bien aller avec le reste d'ailleurs. Ensuite, je me suis pris des bougies chauffe-plat. Donc du coup j'ai pris des grands modèles, ceci. Alors à l'intérieur on en a 12. Apparemment ils sont d'une autonomie de 10 heures. Donc j'en ai jamais pris des grandes comme ça. Vous me direz un petit peu, parce que c'est vrai que les petites je suis un peu déçue. À peine allumée, à peine finie. Donc voilà. Donc bah écoutez, voilà, petite bougie sympa. Pareil, ils ont sorti dans le même modèle des toutes petites bougies comme ça pour mettre sur les petits bougeoirs. Je trouve ça sympa. Vous savez, mes petits bougeoirs gris que j'ai sur ma petite commode. Bon, là, ils vont être partis parce qu'on va mettre la décoration de Noël. Donc, ces petites bougies-là, je les ai payées 47 centimes pièce. Donc, je trouvais ça trop mimi. Je ne veux pas les allumer. Ça serait juste posé sur mes petits bougeoirs gris. Voilà. Mais je trouve ça sympa à poser aussi dans des petites verrines au moment quand on mange à Noël et tout ça. Ça fait une belle décoration. Ensuite, bon plan de chez bon plan. Ne vous affolez pas, n'allez pas à Maison du Monde chercher l'étoile. Bon, pas ça que mon étoile noire, vous étiez nombreuses à adorer. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de ma vidéo là-haut. C'est une étoile noire avec un pied. Et ça, c'est sûr, je vais m'en servir pour faire toutes mes photos, mes vidéos et tout ça. Et là, chez Action, je suis tombée sur cette étoile-là, noire, pareil, qui fonctionne à pile. Donc, elle existe en étoile, en sapin, en tête de serre, il me semble. Et puis c'est tout, et puis on étoile, voilà, tout simplement 1,99€ les filles. Donc autant vous dire, j'en ai pris deux moi, et je vais les mettre sur mon paravent dans mon salon. Je vais les accrocher et je vous montrerai tout ça sur mon Instagram. C'est pour ça, rejoignez-moi une fois allumé, voilà, avec des piles. Ensuite, je me suis trouvé un petit, mais alors j'adore, un petit support comme ceci, tout en bois brut, avec un petit photophore en verre. Il était tout seul dans son petite étagère. Je demandais à une des filles, et ben elle trouvait pas trop le code et tout ça, et en fait elle était voir et je l'ai payé 2,95€. Trop beau, un beau support pour mettre dans un sens, sur un centre de table, pour mettre dans une cuisine, enfin n'importe où. Donc, et à l'intérieur par contre il y a une ficelle, j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai demandé à la demoiselle, elle non plus elle comprenait pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre tout autour là, je vais passer la corde tout autour et je vais faire un nœud. Bon, je sais pas, savez-moi madame, décoration, je sais pas, je vais improviser, mais pourquoi? Ou alors ça a été posé comme ça, je pense. Mais parce que c'est quand même pas un truc qu'on accroche, c'est pas une suspension, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est super sympa ça. Moi j'avais vu ça à Maison du Monde, j'avais vu ça, ça coûtait entre 15 et 20 euros, même plus que ça, il me semble, 2,95€. Encore une fois, les filles, une belle idée cadeau. Vous achetez ceci, vous mettez une bougie à l'intérieur, ou même des chocolats, quoi que ce soit, franchement c'est sympa. Hein. Et c'est vraiment actuel en ce moment, et ça va bien aller aussi dans ma cuisine. Voilà tout le monde, j'en ai terminé pour mon haul action.
J'espère que ce petit haul improvisé vous fait bien plaisir, autant qu'à moi. Et puis surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Instagram, j'y suis tous les jours où je vous raconte ma petite vie, mes petits looks, mes petits bons plans, où je vais et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais d'énormes bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux bons plans, des nouvelles passions et plein d'autres choses. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye. Thank you.